anglais font en grande partie, n'est-ce pas? Les ouvriers étaient donc mieux contents parce que leurs conditions d'existence donc étaient fort mauvaises. Il y avait des grèves spontanées très souvent, noyautées par les chevaliers de travail et les communistes à cette époque. Les grèves se passaient quand d'une façon simple, à mon avis. Il y avait des piquets de grève qui se mettaient aux barrières aux entrées des charbonnages, qui défendaient l'entrée aux ouvriers. Malgré tout, il y avait ce qu'on appelait les jaunes qui travaillaient. Il y avait une partie de travailleurs qui étaient considérés, qui devaient travailler à l'entretien, mais il y en avait d'autres qui allaient travailler, c'était pour gagner leur salaire et ne pas encore tomber dans la misère plus forte qu'ils n'étaient. Et ceux-là, c'est regrettable, mais souvent les carreaux des fenêtres étaient cassés pendant la nuit, même des batailles qu'il y a eu. C'était plutôt sauvage qu'on faisait, c'était à les grèves sauvages qu'il y avait beaucoup de jaunes. Quand c'était reconnu par le syndicat, on avait tout de même une indemnité de grève, qui n'était pas énorme, mais qui pouvait tout de même compenser un peu. Quand c'était une grève sauvage, il n'y avait rien du tout. Mais à ce moment-là, n'est-ce pas, quand le Rexis s'est donc montré sur son vrai visage, milice ouvrière. Et nous avions à ce moment-là comme commandant le camarade de Tilleul, qui était donc bourgmestre de Marchienne et en même temps donc commandant de milice ouvrière pour défendre éventuellement, le cas échéant, donc les conquêtes qu'on avait conquises, bien entendu, n'est-ce pas? Ah, mes yeux.
Je suis employé comme ouvrier dans un établissement métallurgique. Et après ma journée, je fais de la peinture. Je pense que c'est un moyen d'expression par rapport à ce que je vois, ce que je peux observer des ouvriers. Alors, je pense que, étant donné que je peux m'exprimer justement en dessin ou en peinture, j'ai le devoir de le faire. Ce que je représente dans mes peintures, c'est des facettes de l'ouvrier, enfin de sa vie en général, avec ses manifestations, ses revendications, cette menace de fermeture, de charbonnage, cette angoisse de l'ouvrier. C'est-à-dire qu'il nous a fallu toujours combattre afin pour obtenir quelque chose. Se défendre pour l'ouvrier, c'est la grève. Vous savez, ici, dans la situation économique dans la région, elle n'est pas tellement brillante. Prenons exemple ici, Boufiou, puisque nous sommes à Boufiou. Auparavant, des poteries, il y en avait 25. Il en existe encore actuellement 7. Il y avait des carrières, il n'en existe plus aucune qui est en activité. Il y avait charbonnage. Il y avait un atelier de fer qui occupait au moins 100 personnes. C'est disparu. Il y avait aussi le charbonnage, donc qui n'existe plus non plus.
voyez, expliquez-vous, Albert. Vous m'avez quasiment prévu tout à l'heure. Oh, ben si vous nous verserez un grand verre de vos beaux cognacs, Augustin. Votre successeur doit bien avoir une bouteille d'eau mère. Oh, oui, docteur. Christian a gagné tous les mois vite d'un papa. Si vous voyez qu'il y a crayeux, si Jim et moi qui sont rogneux, si Jim visage rempli de coups bleus, c'est que j'y suis un vieux. C'est dans l'abîme que j'y travaille. Elle ciel pour moi, c'est le toit d'elle taille. Et quand tout craque, il faut n'y avoir peu. C'est le messie, il faut qu'on s'expose. À bouler du cherbon au quartier, il vous oubliera aller à l'pousse. J'aime connerie d'elle politique. Je suis instruit comme un baudet. Dans les affaires d'arithmétique, je ne connais quoi pour m'aboubier. J'ai coupé le mur au trop de gaz. Tout un chantant, j'y tape sur le batte. Mais pour y esguer, il faut au patron du champagne et y compagnie. Même quand je fais sauter le bouchon, c'est quand j'y suis pour faire paille. Entré en 1941 à l'âge de 14 ans, et depuis lors ne nous a plus quittés. Très régulier et dévoué, il a toujours donné entière satisfaction à ses chefs. Je suis heureux de pouvoir le remercier de son dévouement et de féliciter pour la distinction qu'il reçoit aujourd'hui. Si l'on recommence le travail, la plupart d'entre nous, il faut bien se l'avouer, n'oserait plus regarder en face. Si l'on recommence, camarades, la plupart d'entre vous pensera aux grèves, aux bagarres qu'il a déjà menées, et j'en connais depuis plus de 20 ans. Pour pouvoir se retrouver en face d'un patronat qui fera ce qu'il voudra dans l'entreprise. Et vous autres, les gros actionnaires, respectez tout, dit le vieux. Sans lui, qu'est-ce que vos frites sur terre, vos crèveries de foin, vous talmouneux. À Chaleroux, quand vos rencontres, vos avetaires, tout le pense bironde. Mais ne fayez ni tant de vos embarras. Si j'ai deux, trois pièces sales qu'un gêne, vos viquettes tout sur mes bras, c'est moi qui remplis vos boudaines.
Et maintenant, probablement que pour une autoroute, on va m'exproprier, alors. Et maintenant, où vais-je aller me reloger comme ça, moi? Où vais-je me reloger? Moi, ça m'aurait fait mal au cœur. Parce que chaque fois que je passe par ici, j'ai dit, mon Dieu, de belles maisons comme ça qu'on a démolies. Mais que voulez-vous? Il faut que ça se fasse pour l'autoroute, voilà. Je pense qu'il y a très peu de relations entre les personnes qui habitent comme ça. Mon Dieu, attention à la télévision, papa. Fais pas du bruit, papa, écoute le football. Ils en ont une à la gorge des deux. Ils n'ont plus le temps de l'être. Au classement. Il y a déjà du changement puisqu'il y a d'immers théoriquement le maillot jaune sur les épaules avec 4 secondes d'avance sur Bruyère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec le beau temps retrouvé, je ne dois pas vous demander où en est votre morale. Ils occupent le ministère de l'Emploi et du Travail, le ministre dialogue avec eux. À Télé-Luxembourg, comme dans le monde entier, Seiko donne l'heure exacte. Eh oui, des petits déjeuners, il y en a de toutes les sortes. Pierre ! Une minute, je me lave les dents ! Maintenant ? Bien sûr, on vient de manger. Et toujours des prix, spéciaux à tous les départements du domaine alimentaire. En promotion à notre département volaille, cette semaine, nous avons sélectionné quoi donc ? Eh bien, tout simplement, les poulets maïski. Et vous le savez, les poulets maïski sont nourris au maïs. Et les poulets maïs qui nous disent au maïs, eh bien, décidément, c'est bien le meilleur des poulets. Aujourd'hui également, des prix super champions au département fruits et légumes. Et une offre vraiment superbe au département des liquides, des prix super champions également au département des liquides. Aujourd'hui, nous avons sélectionné les eaux françaises. Et les fraises, un prix super champion. Avis au caissier, lecture. Thank you.
La Providence, usine sidérurgique, fusionne en novembre 1966 avec la société Cochry-Lougré, elle-même contrôlée par le plus puissant holding belge, la Société Générale. ASEC, entreprise de construction mécanique, rachetée en janvier 1971 par la société multinationale à capitaux américains, Westinghouse. Glaver Bell, entreprise du verre, rachetée en 1972 par la société multinationale à capitaux français, BSN. Les multinationales prennent beaucoup d'importance dans la vie sociale, mais il faut aussi dire une chose, c'est que les multinationales ne reconnaissent pas tellement le syndicat. Ils admettent un syndicat, mais alors il faudrait un syndicat comme on appelle un syndicat mouton. Un syndicat qui dit oui patron, mais qui ne dit jamais non patron. Alors ça, je crois que imposer ça ici dans la région de Charleroi, ça va créer beaucoup de problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que le Carolo a toujours été un type combatif, et je crois qu'il le restera. Et si jamais maintenant les patrons veulent vraiment nous forcer à être des petits moutons, alors là je crois que nous serons plutôt, au lieu d'être des moutons, nous serons des taureaux, quoi. Il y a pas de... Ça va pas poser aucun problème. Alors vous avez eu un conflit qui lui a quand même prouvé qu'il était nécessaire de le faire, c'est celui de l'industrie du verre, qui a été mené, disons-le, non pas en pantoufles comme ce fut dans le temps de l'année de, disons après la fameuse grève de 60-61, il y a eu la fameuse grève, et puis ça a commencé les petites grèves à pantoufles. Par contre, 5 du verre a prouvé qu'une grève bien organisée, avec piquet de grève, comité de grève, plus un comité régional élu par les ouvriers, et que toute décision prise par un comité régional devait être au préalable approuvée par les ouvriers, a quand même prouvé qu'avec une force et une organisation telle qu'elle avait été conçue dans le verre, a montré ses fruits. D'ailleurs, l'expérience l'a prouvé, nous avons obtenu la réintégration d'un camarade sans condition, or que la direction de Gaverberg Mécaniver donnait des directions. Il faut que le garçon soit réintégré en multipom. Ça, c'est la position du comité de grève de Gaverberg-Jeudi, c'est la position de la délégation. On verra sur le plan régional tout à l'heure ce que ça donnera. Mais toujours est-il, camarades, aujourd'hui, on est bien organisé, on est fort. Il faut tenir le mouvement. On le remet, c'est à nous autres de le structurer, à l'organiser davantage.